Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Alors je suis désolé chers amis, je vais faire de l'Overwatch en live. Mercredi après-midi, j'ai pas pu, j'ai eu un imprévu malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait j'ai une équipe qui m'a demandé, enfin une petite équipe d'amis, hein, pas une équipe de Rose de la Mort qui tue, qui m'a demandé si je pouvais venir compléter le groupe et du coup comme je cherche une équipe, bah, je suis allé voir si ça matchait entre nous, si je puis dire. Du coup voilà, et je devais cet après-midi pouvoir tourner normalement, enfin live du Robocraft. Je n'ai pas pu, donc pour vous, d'accord, pour vous on est vendredi, pour moi on est jeudi juste avant, hein, c'est rien de plus compliqué. Hop. Crac. Ah, je me fais tirer dessus par un anti-aérien, ce qui m'embête. Hop. On va attendre que la régène revienne, pardon. Hop. Si on peut s'approcher un petit peu pour faire quelques dégâts en plus, c'est pas plus mal. Hop. À mon avis, je me suis pris quelques dégâts en trop haut. Aïe, et je vais mourir. Voilà, bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Robocraft, de toute manière. Mais ce n'est pas très grave. Oui, donc je devais en faire, et malheureusement, j'ai eu un imprévu, par contre, là, d'ordre plus personnel, si je puis dire. Donc voilà, j'ai pas pu. Là, il doit être genre 18h. Voilà, 18h pour que je puisse retourner, vous imaginez. J'en avais 4 à tourner aujourd'hui. Demain, je vais avoir une grosse journée aussi, malheureusement. Hop. Ah là là, il m'embête celui-là. Viens voir papa. Viens voir papa. J'interdis de régène. Hop, voilà, on va la voir. Parfait. Pourquoi ils ont pas choisi de prendre la tour? C'est que ce bordel. Aïe! Il m'énerve celui-là. Ah la vache, il a eu mon arme! Et pourquoi tu touches pas? Ah, parce que je suis pas dans mon sens. Aïe, je vais encore. Ah! Là voilà, détruit. Bon. Non, c'est pas des nous, je pense pas. Je pense qu'ils font intentionnellement de la merde. C'est pas pareil. Mojo, 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 Mojo. Oui, c'est pas chez nous, on est d'accord. Hein. C'est bien leur team à eux qui parle. Bon, ils sont pas si mauvais que ça finalement. Hein. On se plaint et tout, mais. Bah alors, je touche ou pas? On sent que ça fait longtemps. Hein. Oh là, par contre, ça c'est pas bon. Oh! Comment j'ai pu ne pas toucher? Boum, voilà. Et on va pas. Hop. Crac. Un problème ici? Ok. Je fais si peu de dégâts. Ah mais il me saoule. Je vois même pas qui c'est qui me vient dessus, d'accord. C'est un petit machin là-bas apparemment. Un copain qui se fait défoncer ici. Hop. Prends ça dans ta tronche. J'arrive pas à situer c'est lequel qui me fait des dégâts anti-air. Là-haut. Merde. Hop, c'est fait. Oui, il y a tellement de hop dans cet épisode encore, chers amis. Vous vous en doutez.
Hop. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est tellement un mauvais réflexe à avoir. Hop, et pourquoi vous faites ça? Ah, il a survécu. Ah non, non. Il a survécu. J'allais dire survécu, survie. Je sais pas pourquoi j'ai dit survie. Je l'ignore encore. Ouais, là, j'étais là, c'était la connerie du siècle à faire ça. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. J'ai encore un boîtier malade. C'est terrible. Waouh. Oh, la journée était folle. Phew. J'espère que je suis pas trop crevé, que ça se voit pas trop que je suis crevé. Pourtant, j'avais bien dormi cette nuit, j'étais content ce matin quand je me suis levé. Mais non, ça pouvait pas rester toute une journée normale. Jamais. Donc voilà. Il y a des ennemis là-bas, non? Là-bas, oui. Boom, bitch! Get out the pute! Mais niquez-moi ce mec! What? Qu'est-ce que... Putain, il y a lui là-haut. Je crois pas que ce soit des noobs. Il se faisait peut-être passer pour des noobs, mais je pense pas que ce soit des noobs. Ah la vache, il est en train de me niquer sévère. Mais vous êtes trop mauvais pour me toucher. Ah merde, il m'a eu. Désolé. J'ai parlé trop vite. Je pense pas que ce soit des noobs. C'était peut-être aussi des mecs qui voulaient se la jouer noob pour qu'on la joue bêtement et inversement. Vous voyez ce que je veux dire? On en rencontre maintenant des gens comme ça sur Overwatch aussi. Mais oh, il est joli celui-là. Ah, je sais pas s'il est efficace, mais il est vraiment joli. Waouh. Bon, allons-y. Ça doit pas être top, hein, ouais. Enfin, quoique, je suis quand même à 2002, mais. Non, on va savoir. C'est bête, hein. Putain, non! Vite! Aidez-moi! Eh, non, bah non, c'est bon, pas besoin en fait. Vengez-le! Enfin, tuez-le! Non, me vengez pas, je suis pas mort, hein, donc. Avengers, rassemblement! Ça pue le cul, on a perdu une tour. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'aller. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est ce qu'il me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Oh, quel dommage. Oh. Ah, mais il y a encore quelqu'un qui me tire dessus. Je vous ai rien fait, moi. Ah! 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 Je me fais défoncer la nuit. C'est pas grave. Dis donc, je pensais pas que j'étais si haut que ça pour déclencher le truc, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, Noob Mojo Chips. Mais pourquoi il dit noob? Pourquoi il se plaint? Oula. Il va t'arriver une couille. Non, c'était toi qui étais. Bon, on va aller rechercher les tours un petit peu là, parce que là on en a perdu quelques-unes. C'est pas bon. Allez. Hop, c'est bon. J'ai les yeux déjà défoncés, hein. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Robocraft. Non. Pas de là. Mais putain, mais... Faut pas exagérer non plus. Faut pas exagérer non plus. Putain. Je peux même pas me lever. C'est débile. Ah bah bien sûr, bah oui, il est en train de me finir.
Oh, mais c'est cool. C'est cool, je vois même pas les tirs qui me tuent, quoi. Je vois même pas les tirs qui me tuent. Ce jeu est vraiment devenu de la merde, hein. Je veux pas dire, mais là, ça commence à me gonfler. Je vois même pas le mec qui me tire dessus, je vois même pas les tirs m'arriver dessus. Je le voyais tirer à côté, moi. Enfin, je sais pas, vous aussi, normalement, hein, mais... Oh là là, c'est chiant. C'est vraiment casse-couille. Ils arrivent à se viander après chaque mise à jour, hein. Pas une seule qui est parfaite dès le départ. Enfin bon. C'est pas grave. Mais même si le robot est bien, il a trop de problèmes. Voilà, on peut pas. On peut déjà pas avancer. Oh bah non, c'est. Voilà, comme ça l'autre truc vient me voir, il va attendre que je passe pour bien me niquer. J'ai l'habitude. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est vrai, c'est de la merde. Non. Putain, mais... C'est quoi cette communauté, tout le monde? Allez, on est tombé face à... On est, alors vraiment, alors, la communauté du jeu commence à se perdre aussi, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Non, j'aimerais que t'ailles pas par là. Voilà. C'est fou, hein, comme les communautés de gens... On a juste clairement pas les bonnes armes, on a clairement mal joué dès le départ. Hein. Je veux dire, nous on n'a pas un seul anti-aérien. Mais de toute façon c'est toujours comme ça dans le jeu, en termes de matchmaking c'est toujours la merde. C'est génial. Voilà, là j'ai loupé tous mes tirs parce que voilà. Parce que voilà, voilà, c'est la fête. Pourquoi je joue à ce jeu? Pourquoi je joue à ce jeu? Oh bon bah écoutez, si personne ne veut jouer Tout le monde s'insulte de nous, c'est génial. Bravo la game, voilà, c'est magique. Tu me diras, si encore je pouvais voler sans me faire défoncer l'anus, mais non. C'est pas possible. Oui, oui, vu qu'il y a que des trous du cul avec nous. Ah, bien sûr. Et bien sûr. Voilà. Et comme je peux pas voler plus haut bêtement. Parce que oui, j'ai un hélicoptère, mais... Apparemment, 3 cubes, il arrive pas à soulever encore. Voilà, ça c'est fait. Parce que voilà, ils ont que ça. Regardez, regardez le nombre de robots qui sont plus ou moins en train de voler ou de planer. Regardez, 1, 2, on a déjà vu 3. 3, et on n'a pas un seul... Le matchmaking nous a pas mis un seul anti-air. Merci le jeu. Oh non, 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 moi je vais pas m'en faire baiser par l'autre trou du cul. Mais regardez ça, regardez ça! On a 3 robots volants, on peut pas voler. On peut pas voler, parce que le jeu est pute. Ils auraient pu nous mettre simplement un des deux en face qui ont des anti-aériens de notre équipe, mais non. Mais non, parce que c'est pas comme ça que le jeu marche, chers amis. C'est débile, c'est débile.
Comment voulez-vous que j'anticipe? Voilà, je vais encore me faire défoncer en plein vol. Hop. Eh putain. Non, alors là, fais... Mais putain, mais... Va niquer ta mère. Voilà, j'en ai plein le cul. Ce jeu, c'est vraiment devenu de la merde. Regardez, ça, ça vole. Ça vole n'importe comment, n'importe quelle vitesse, on en a rien à cirer. Mais mon machin, il est pas foutu de voler à partir du moment où il a pas 3 hélices d'hélicoptère. C'est juste de la merde. Ça me gonfle. Et c'est pas corrigé depuis... Un an, deux ans, les... Comment, les... Les putains de Tesseract, là, pas le principe de vol, le vol à coup de propulseur. Pourquoi corriger le truc? Vous avez raison. Pourquoi le corriger? Je me fais rect en volant dès qu'il y a la moindre chose. Le moindre robot me rect. C'est génial. Toi, le robot, là, il va partir à la casse. Vitesse grand V. J'aurais bien du monde au point parce que j'ai cru voir les points. Oui, bien sûr. Mais vas-y, tire-moi dessus. Non, mais vas-y, montre-moi que. Voilà. Oui, j'ai un. Non, mais j'ai un truc de vol, vous inquiétez pas, hein, mais c'est juste que ça marche pas. Parce que, apparemment, les propulseurs permettent de voler mieux que des pales d'hélicoptère. Mais bon, c'est pas grave, je m'amuse. Dans un jeu qui n'est jamais équilibré, hein. C'est fou. Bah oui, bah oui. Bien sûr, je pouvais pas apparaître dans le bon coin, quoi. Enfin, je parle pas du film. Voilà. C'est l'éclate. Je m'amuse. C'est cette merde qui m'a tué. C'est de la merde, hein. Ça ressemble strictement à rien. C'est pas censé voler, mais c'est pas grave. Ce jeu me saoule. Tiens, il y a des DVD qui se cassent la gueule. Ah non, c'est des... Ceux qui me servent de coincer, mais d'accord. Pas bon, c'est débile. C'est débile. Donc le Colin, il a des anti-aériens, je l'ai pas vu tirer une seule fois dessus. Si, il l'a peut-être vu tirer une fois. Je crois avoir fait la remarque une fois, mais à part ça, il y a que les aériens en face. Ils sont tous toujours vivants, donc Colin, hein, ferme ta gueule. Ça vaut mieux. Ça, on va la perdre. Ah, j'ai pas eu le temps, quel dommage. Voilà. Non, y a pas de GG. C'est là, voilà. Voilà une communauté de merde, ce qu'on appelle une communauté de merde. Et c'est débile. C'est débile. Ça me gonfle. Ça me gonfle déjà ce jeu, vous voyez, c'est la première vidéo de 2017 sur Robocraft, et ça me gonfle. Ah, puis c'est le 400ème épisode. Ah, d'accord, c'est la fête. Un petit coffre-rouille pour le 400ème. Ça donne envie de faire un épisode particulier, hein, quand même. Hein. Du coup, il y aura rien de spécial pour le 400ème, à part une défaite monstrueuse, une rage monstrueuse, et des trucs qui se sont cassés la gueule. Donc toi, ton robot de merde, tu te casses. Non, je dis tu te casses. Voilà. Bah écoutez, on va aller voir les pires robots, hein, les robots les plus moisis. Merci pour l'argent les amis, quand même, c'est génial. Merci à vous. C'est quoi ça?
Ah oui, d'accord. Ça c'est le truc qui marche pas. Du coup, bah, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qui marche apparemment bien là, les trucs putes. Montrez-moi des robots putes qui marchent. Enfin, je sais pas. J'aimerais profiter un petit peu de ces robots de merde qui apparemment sont plus efficaces que des robots élaborés. C'est génial. Bah non, 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 ça c'est trop élaboré, ça c'est fou. Toute la rareté, bah écoute, non, 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 non. Toutes les UC, bah écoute, je pense que ça doit être là-dedans, hein, à peu près. Hein. Pixel vomiteur, génial. Poupilou, pilou, je m'amuse. Ah non, ça c'est trop élaboré, ça vous êtes fou. On va pas faire de kill avec ça. Mais non. Y a rien non plus là. Donc les gens ils les mettent pas en fait leurs robots, c'est ça? Waouh, génial. Et voyez la stupidité de merde de ce jeu, c'est que ce machin-là est noté 5 en combat. Putain, mais c'est un coup à report en fait. Moi je vais finir par les report les machins. C'est débile. Ça, j'en ai déjà un, ça sert à rien. Ça, c'est quoi? Pff, tiens, allez, hop, 32 000. Ah mais il a pas assez de points, hein, regardez. Il n'a que 5. C'est débile. Allez, on va refaire une deuxième, chers amis, vu que c'est l'amusement le plus complet aujourd'hui. Dans ce 400e épisode, chers amis, bah écoutez, en 400 épisodes, le jeu n'a fait que plonger dans la merde la plus totale. Voilà. En dehors de ça, le jeu pourrait être très très bien, hein, mais non. Apparemment, les développeurs veulent pas qu'il le soit autant que ça. J'ai beau faire partie de la Robonity, c'est pas pour autant que je vais dire que le jeu est bon pour autant, hein. Le matchmaking, on a bien pu le voir. Mais créer des équipes complètement déséquilibrées, que ce soit en termes de niveau ou en termes de counter dans les équipes. La physique du jeu, la physique du jeu n'existe toujours pas, hein. Ça fait 3 ans que le jeu est en développement. Il n'y a toujours pas le moteur physique réel d'appliquer au jeu. Ils se plaignent tous. De quoi ils se plaignent tous? Ah bah là ils... Ah bah non mais j'ai un... Ah voilà. Bah oui. Ah bah oui, je m'en doutais. Ah non, alors là, s'ils m'ont suivi, eux. Et il fait pas de dégâts. Bah, c'est génial. Bon, bah écoutez. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi je vais regarder des robots qui ont des bonnes notes quand ils font pas de dégâts? Enfin... Lui il a pas de PV, donc je pensais qu'il allait faire des dégâts, mais apparemment l'équilibrage du jeu fait que non. Il vole mal, parce que regardez, il arrête pas de vouloir monter, 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 monter. C'est génial, je m'amuse. Pourquoi je me fais du mal? Regardez, voilà, il est remonté, on sait pas pourquoi. Putain, mais... Franchement, j'en ai ras le cul de ce jeu. Voilà, je vais me faire défoncer parce que de toute façon mon personnage, mon robot ne fait que voler dans un sens. Voilà, alors là, bah voilà. Non mais franchement là, je comprends pas. Le pire, c'est que c'est complètement la communauté qui pourrit le jeu en plus. Le jeu n'est pas bon, mais la communauté l'achève. Je comprends pas. Putain. C'est débile. Faudra un petit peu grandir, arrêter d'avoir 12 ans, hein, et... Voilà, donc là je me retrouve avec un robot merdique, qui vole mal, qui fait pas de dégâts, mais qui est indiqué comme étant un bon robot sur le shop. Mais vas-y, tue-moi, hein, je suis là pour ça, hein, je viens juste pour me faire tuer. Voilà, parce qu'il... Voilà, il tourne pas. Bah bien sûr. Alors je me rappelais pas avoir...
Ça me saoule, franchement là ça me saoule, ce jeu m'énerve. Ce jeu n'a aucune raison de faire partie de la Playroom quoi. Le jeu est moisi. Rendez-vous compte chers amis, le jeu est forcément moisi à ce niveau-là. La physique est mal faite, la communauté est pourrie. Comprenez ça hein. Le matchmaking est encore plus moisi parce que je peux pas tomber une partie sans avoir de l'anti-aérien. Donc voilà, ça sert à rien de jouer à un robot aérien, moi je me rends. Hop. Oh bah non, mais faut se rendre les mecs là. Moi j'ai pas envie de la jouer la partie. J'ai absolument pas envie de la jouer. Je me demande pourquoi je joue au jeu, honnêtement. Là, je me demande pourquoi. C'est débile. C'est jeu. Voilà. Je m'amuse. Je peux même pas voler. Je peux même pas voler du tout. Qu'est-ce qui se passe? Si vous quittez trop souvent une partie, vous risquez une pénalité. Ah putain, j'en ai envie de la pénalité moi. Je peux réapparaître, de toute façon je suis mort. Regardez ça, il est même pas fichu de se retourner ce putain de robot de merde. Non mais, j'en ai plein le cul de cette communauté de merde qui pourrit les jeux, que ce soit sur Overwatch. Oh là là, la grosse phrase que je vais me taper sur le 400ème épisode, ça va être épique. Ah putain, ça me pourrit ma journée encore plus qu'elle ne l'est, c'est génial. Putain, mais arrête de voler comme un abruti. Mais putain, mais... Voilà. Parce que voilà. Bah oui, parce qu'ils font des demi-tours complets pour vous baiser. Bon, moi je vais faire un jeu sur mon téléphone, les amis. Hop. Je vais attendre, là j'ai rien d'autre à faire. Honnêtement, En fait, ce que je vais faire maintenant, je pense que je vais en parler avec Eleven et Left of Never. Je vais report absolument tout ce qui va me faire chier dans le jeu. Tant pis. Hein, si c'est des robots qui sont surnotés, je vais les report. Si c'est des joueurs qui me font chier pour une raison X ou Y, je vais les report. Waouh, j'ai détruit quelque chose. Truc de fou. Mais putain, mais ils sont combien à voir ça? Ça me saoule. Ils sont combien? Honnêtement. Putain, mais paye ton matchmaking de merde quoi, c'est pas possible. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas comment la communauté peut être aussi moisie sur un jeu qui déjà de base est moisi. Est-ce qu'il y a un fun que je comprends pas? Parce que comme je me fais un peu vieux maintenant, je commence à me poser la question. Mais là, les notes sur les... Qu'est-ce qui se casse la gueule encore là? Je sais bien que j'ai pas arrêté de taper sur mon... Ta gueule! Putain, je peux pas voler avec un robot quoi. Voilà. Hop, je m'amuse, c'est la fête. Je m'éclate. Je
Ce robot de merde! Ah oh, putain, mais ça me gonfle! Mais vole correctement, sac à merde! Putain! Ah, je peux te dire, j'en ai... Ah, ça m'énerve. Je suis désolé, ça m'énerve, chers amis. Il y a plein de choses qui m'ont énervé aujourd'hui. Mais alors ça, c'est vraiment le pompon, comme on dit. Hein. Ah bah oui, oui, parce qu'en fait, l'explosion, elle marche qu'au sol. Débile. Débile. Putain, mais paye ton jeu, quoi. Et dire qu'ils se font du gras à nous sortir des putains de mises à jour qui servent qu'uniquement à rajouter un putain de mode de jeu brawl. Putain. Ils volent pas. Putain, mais j'ai envie d'en finir, moi je m'amuse pas à jouer moi. Hein. Je me demande pourquoi je choisis encore des armes qui visent. Pourquoi je me fais chier quoi. Pourquoi je me fais chier à choisir des armes qui doivent viser quoi. Hop. Your enemy's fusion shield has been deactivated. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower. Ils volent pas droit. Putain, mais vole. Et là je peux vous jurer que je suis en train d'appuyer sur la touche pour qu'il baisse le nez, voyez, ça y est. Mais pourquoi baisser le nez? Je peux voler dans le bon sens? Bah non. Bah non, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi voler avec un robot? Ça me gonfle, honnêtement ça me gonfle. Les machins sont notés à balles, mais il y a personne qui les a testés quoi, j'ai l'impression, c'est fou. Paye ta communauté. Alors vous allez me dire, oui mais faut les construire ces robots. Bah, dans ce cas là qu'ils enlèvent le shop. Débile. C'est débile. Puis en dehors du robot en question, il y a le matchmaking aussi qui est moisi. Putain. Enfin je veux dire, comment le mec de base peut construire un robot en sachant qu'il volera pas? C'est... Oh mais merde. Bah oui forcément. Bah oui forcément. Ah bah bien. C'est qui? Zulu. C'est chez eux. Mais merde! Hop! Honnêtement, je suis en train de me demander s'il y aura plus de 400 épisodes. Je me pose la question. Il y en aura sûrement plus parce que je vais me calmer et. Tout ça, mais franchement, je veux dire, il va vraiment être temps qu'il commence à améliorer le jeu, pas à l'enfoncer, quoi. Ce serait peut-être pas mal. Putain, mais il tourne même pas, son robot de merde. Bah oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ah putain, mais ça me gonfle qu'il tombe comme une merde.
On est en train de la voir, on est en train de la voir. Laissez-nous le temps. Hop, voilà. Et comme ils volent mal, je vais me faire poutrer. Voilà. Génial ce robot, j'adore. Putain mais... Oh la gueule. Ah je crois que c'est une des plus grosses rages que je me suis tapé sur ce jeu. Et... Pourtant j'en ai eu un paquet. Putain! Alors déjà, ils volent mal. Le matchmaking m'encule. Franchement, ça me saoule. Ça me saoule, mais à un point, chers amis. Putain. Est-ce qu'il vous arrive encore à vous amuser sur le jeu, quoi? Parce que là, franchement, je me pose la question. Hein. Allez, tourne! Forcément. Et allez! Voilà, vu qu'il y a au zéro déplacement. Faut qu'il soit cassé. Je me demande pourquoi je m'emmerde avec des vaisseaux qui doivent viser. Si Eleven, tu regardes la vidéo, tu pourrais m'expliquer pourquoi il y a un report? Parce que je serais... Putain, je serais curieux de savoir. Je crois qu'il allait me faire croire que ça allait me toucher. Pas compris. Putain. Oh la gueule, d'accord, on a ça dans l'équipe. Bien, de mieux en mieux. Ah mais il me gonfle. Eh ben non. Quoi? Comment ça se fait qu'il a rien pris lui? Voilà, je préfère ça. Les mecs. Voilà. Eh non, parce qu'il peut pas le suivre. Il me saoule, il me saoule. Et non, parce qu'il vole vraiment comme une merde. Oh putain. GG. Bon. Je suis en train de me demander ce que je dois faire. Est-ce que je dois troller à fond? Je pense que c'est comme ça que ça passe. Là, les 10 prochains épisodes, ça va être du troll, du troll, du troll, du troll. Ouais, de l'or, génial. Qu'est-ce qu'on tombe dans de l'or? Que dalle. Voilà, bien. Merci.
Alors, c'est visuellement de la merde et du combat de la merde. Voilà, merci de m'avoir fait payer des crédits pour ça. Heureusement que je suis payé par... Enfin, que je suis réapprovisionné par Free Jam. Hein. Putain, c'est de la merde. Alors, on va se trouver un autre robot. On va bien réussir à s'en trouver un. Un machin bien trollesque. Alors non, il va me falloir des jambes. Hein. On va plutôt passer au niveau des armes. Tête chercheuse. Qu'est-ce qu'ils appellent les têtes chercheuses? C'est les Ion Seekers? C'est les Seekers. Ça m'intéresse pas. Lance-missile. Voilà, on va jouer le troll aussi. Mais vous allez voir que je vais tomber sur aucune partie avec de l'aérien. Vous voyez, ça, c'est à 4 points de combat. Ça, c'est fou. Hein. Ça a l'air sympa, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allons dans le débile. Ça là, non, ça va être de la merde, ça c'est clair que ça va être de la merde. Ça, on n'a pas anti-aérien complet, total là, de la mort qui tue. Ah bah voilà. Ça me semble rigolo aussi, mais il coûte trop cher, enfin il me coûte trop cher apparemment. Donc pas la peine. Je vois pas l'intérêt. Je me pose encore la question. Enfin, je sais pas, je les prends pas, mais apparemment tout le monde a l'air d'aimer ça, hein, je veux pas dire, il y en a 4 comme ça déjà au début. Allez, rigolons. Parce qu'ils lui ont quand même mis 5 étoiles en style, hein, je veux pas dire, mais... Oh, tiens, full, je vise pas. Ah si, il y a quand même y a deux petites étoiles, enfin il y en a quelques-unes, j'ai pas vu. Bah on va rigoler. Bah voilà, c'est la prévision de ce qui va arriver, chers amis, prochainement. Merci d'avoir regardé ce 400e épisode de Robocraft. J'en ai plein les... plein le cul. Donc on va troller à fond, je sais pas pourquoi j'ai pris que des robots... Ah non, j'ai pas pris que des robots volants, cela dit. Peut-être... Bon, attendez, je vais peut-être reprendre un autre robot, mais au sol, au passage. Qui lui aura de l'anti-aérien classique. Non, pas toi. Parce que visuellement il me plaît pas. Ah tiens, full anti-aérien. Ou presque. Partons là-dessus. Ok. Ok, chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus. Pour d'autres aventures dans Robocraft, autres crasses dans Robocraft. Voilà, on va dire ça comme ça. Salut !